je veux te parler. Nyala, frère, qu'est-ce que c'est l'alagne? À qui l'alagne c'est l'alagne? Bref, je t'ai très bien dit. Hier, il n'y a pas ce que j'ai pas fait. Aujourd'hui, je suis fatigué, je peux rien faire comme ça. Moi, il m'a crucifié, Bramla. Moi, je n'étais pas réveillé pour ça. Moi, je veux te parler. Lève-toi, je veux m'asseoir. Comment tu dis? Non, lève-toi. Sois. Non, à quel moment tu veux le dire? Alors, lève-toi. Faut pas qu'on réveille les enfants. Anya Fodjuna, comment est-ce? Son nom est incanté. Mbori. Oui. J'ai une seule question à te poser. Quelle question? Qu'est-ce qui te pousse d'épouser une autre femme? Voilà. Une femme qui est amoureuse, il a l'honnête. Là, c'est la vérité. Et puis, tu es devenu comme ça, folle. Comment ça? Ce qui me pousse d'épouser une autre femme, oui. Toi, tu ne connais pas ça? Moi, je ne connais pas. Parce que tout ce que tu as besoin, moi, je te le fais. Regarde les enfants. Ok, bon, maintenant, attendez. Ce qui m'a poussé de t'épouser, oui. Toi, hein, c'est ce qui me pousse aussi d'épouser une autre femme. Eh? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ah, n'y a qu'à dire. Où tu trouves tes mots, où tu ramasses l'argent là pour épouser une autre femme. Regarde, même les piles de notre radio là, tu n'as pas pu l'acheter. Est-ce que tu peux épouser une autre femme? Tu peux le supporter? Et laissez d'y aller là. Hein? Tu peux me laisser? Mori Timiniba. Attendez, moi j'ai sommeil comme ça, je vais me coucher. A qui arabe en a de cousson? Hein? C'est. Et d'abord, il est fan. Il faut plus maintenant me demander pour le problème là. Le jour que je t'ai parlé, le problème de la fille là, qu'est-ce que tu m'as dit? Il m'a reconnu à tout le monde là. Hein? Tu m'as pas dit ça? Si, je t'ai dit. Voilà. Bon, maintenant, jusqu'à présent, toi, tu n'as pas fini d'abord de te penser. D'abord. Ah ouais, comme il y a un peu de temps, c'est le même cause qui m'a poussé d'aller faire sortir la cola derrière la fille là. On est au courant, la boire là-bas. Tu peux supporter la fille. Je peux la supporter. Imagine supporter là. Même le manger, on le gagne ici difficilement. Difficilement. Et après, il y a des gens. C'est un peu. Ah, il y a là. Il y a des gens. La femme est malade. Elle est malade. Aujourd'hui, oh, qui a besoin de toi aujourd'hui? Je sais que je suis fatigué. D'accord. C'est en train de faire moi, je sais où. Et si je te touche, qu'est-ce que tu vas faire? Hey. Bah, il a bien. Hey, laisse-moi. Regarde les enfants là. Canabis Mbonyalo, où c'est Mbeti Yantola les dit. Si c'est pour manger maintenant, ils connaissent ça. Mais je ne dis rien. Pas salou. Ni malo, t'es faux malo. Regarde, yalo. Bimbra n'a qu'à ouse m'bête n'yati. La couronne. Si c'est pour manger, et ils connaissent ça. Mais je ne dis rien. Je vais le trouver là-bas. Regarde, bim, où c'est qu'il y a là, il y a un mais malou. Basa. En canant, son bédon, où c'est qu'on y, Kouni, Barakouma. Le riz seulement. Vous croyez que c'est le riz seulement qui est nourriture dans notre pays ici? Basa, Alkana, je ne dis rien.
Cassia! Cassia, hé! Hé! T'es impressionné, tu vois, Tommy? Hé, hey, je partais chez toi comme ça. Dis-le, je suis là. Dis-le, ça va? Hé, 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 founé. Qu'est-ce que tu as pas vu sur madame, Nelly? Dis-le, quoi? Viens ici d'abord, on va se voir. Pas ça, Lou. Après son abîme, voilà, où c'est le noyant. Qui ça, les enfants? Les enfants! Ah, ok, quand la dernière fois, on est allé. Ça va? Ça va un peu. Ça va bien? Ah! Je suis venu sérieusement te voir comme ça. Il y a un grand problème à la maison. Problème? Non, viens, on va se voir. Viens là. Ah, Antoine Luma. Allez, Agnès, y'a le micro. C'est qui est, je vais t'expliquer. Dis à tout le monde. Tu sais? Sire est devenu Calabanti. Elle est devenue Calabaka. C'est fini. C'est fini pour Sire. Kassire Calabanti. La fille Mbalu. Hein? Mbalu. Le problème de ma deuxième femme là. Mbalu. Dis donc, hier nuit, quand je t'ai couché, et puis nous avons dit qu'il y a Damina. Sire m'a tapé, elle m'a réveillé. À 3h du matin. 3h du matin. Donc, toi aussi, ce que tu fais, c'est pas bon. Ah, comment? Comment ça? Donc, et qui coordonne là? Ah là, on dirait que tu étais dans mon ventre quoi. T'as tiré la crucifix, là, il t'a tiré la crucifix. Même là, je suis 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 là, je pensais qu'elle m'a réveillé pour le problème là. Ça. Voilà. Bon, mais c'était pas ça. C'était pas le problème là. C'était quoi? Voilà. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Non. Elle m'a posé une seule question. Soit disant, Mbori, ça fait où? Pourquoi? Toi, tu veux prendre une autre femme encore? Pourquoi cette question? Non, attendez seulement, je veux te demander. Pourquoi tu veux te marier encore? Moi aussi, je l'ai posé la même question. Je dis pourquoi je t'ai marié? Les femmes, elle n'a pas pu parler. Je l'ai dit directement, j'ai dit bon, la cause qui m'a poussé de te marier, c'est le seul problème qui m'a poussé, qui m'a poussé encore de me remarier à une autre femme. Cassia, les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas leur coépouse à la maison. Cassia, écoutez-moi. Tu as fini? J'ai fini. Écoute-moi maintenant. On va chercher la femme là, prou. Écoute la femme. Si elle veut, elle n'a qu'à accepter. Voilà. Si elle ne veut pas, elle n'a qu'à accepter. C'est ça. On va le chercher, prou. Voilà. Elle va rentrer. Normalement, un musulman doit chercher 4 femmes. Oh, Mbari! Eh, nous avons. Eh, Allah! Eh, Yonkono! Moi, j'ai réservé 2. Moi, mon père avait 6. 6 femmes. 6. Mon père avait 6 femmes. Donc, moi, je ne vais pas me marier à 6 femmes, mais je vais me marier au moins, même si c'est 5. Non. Je vais chercher. Mais c'est bien, Kourana, qu'on en sait 4. Mais pas 6. Eba Dava. 6. Hey, au-t-il de nos misérables là? C'est mon père qui était imam. À travers la mesure là. Allez, traite-moi la salle là. Oh, la salle imam là. Attends, Fodé. Ah. Tu sais ce que tu viens de dire là, vraiment, ça m'a un peu touché. Oh, non, c'est vrai. Il n'a pas le fond de cadeau four. Ce que tu viens de dire, c'est que mon père est kafre. Ton père, il a fait prier les gens dans combien d'années ici? Il a carrément. Mon père, François, allez, s'entend, c'est un gâteau. Mbasso, nous m'obé, comment ça s'allie? S'entend, c'est. Ah, dis donc, comment sur le ça? Mais il va moi la salle de Santan, il a 6 femmes. Ce qui veut dire, dis-là, tout le monde, ça va tifler. Voilà. Il rêve à la faute. Laissez tomber tout ce problème là-bas. Quand y'a Kandi? Mon problème, le problème de ma deuxième femme. Maintenant, il m'en qu'elle a un Myria Gyuili, la Sénanine, Wuro, Sabana Kakankawa, Lundjo. C'est pas une autre Myriadi. C'est aujourd'hui. Agnew kala bilé ke wuro ne don mbente bidé
Même mais... le matin, là, je l'ai demandé à la maison. Quand je l'ai dit, si le frère Keban, c'est dit, allez, 200 francs, on a. Nous, on a dit, on a qu'elle n'a pas d'argent. Ma connaissance. Je te le passe. Bim ou même, on va faire sortir. Ah, là, il n'y a pas de frère. Hé, où tu sais. Kengi, là, t'es là, là. Connais alors. Fouré, demain quand y a na furusi lilo yo yen singala le samran na. Mbran kere kan mbran tulo kuso kuma do lañi, ha? Ala wara dru ki mabolo di. Dru ki jamba o, ha? Qu'il va me donner ça. Ela banyara gben sino na na kayindo ni. Ma kono. A kedo ndi kana fra. Ah, ino ese lugu. Ah, ibai. Ite abenna ma sutema. Benjo, kono. Ha. Emi kala. Ha. Wa urusan. Eke. Quand on a un waf là, Didi. Waf là, Didi. Ah non, n'ki l'on qu'on a maintenu. Nala. N'ki l'a tenu. Que? Bimoumé, aïoula. On va pas retarder ça. Mais y'a même qu'à la roche n'aimé. Pas la kara il a barama. Non, non. Mouné wa kroko wa wuru nyamon. Baba wuru kola mkoro. N'si tole mfakar fabra. Basse mfakar fabra. Adi na yifre. Adi wuru. Adi beri wa kilele kwa wuru to kilele malo kilele. Kasia! Fode! Que Ibrahim Kumbo taro. Allez, c'est là. Amina. Allez, Ibrahim. Amina. Ni ken nembe te yo wino milliard le dinima. On konona wa fla na. Arina, arina. Arina. Awa. Koni ite nye wa kele mbaro. Awa. Mba wa kele na di. Marama. Ora sorry. Ah, venez si vous allez manger. Pati bien. Là. Lave tes deux mains aussi. Je dis que tu es une fille. Donne un peu à celle-là. C'est toi qui as tout commencé. Les autres ont mangé ici, il n'y avait pas de bruit. Lorsque tu es venu, il y aura des pluies. Hey, lave-le. Dépêche-toi. Dépêche-toi, toi aussi. Lave ta main là-bas. Allez-y à la maison. Allez-y à la maison. Allez, partez. Allez-y à la maison. Hein? Mais maître, il faut aller à la maison. Hey, venez ici, venez ici. Maman, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Ça va? Ça va bien? Ça va. Mon maître, t'es courageux, hein? Ah oui. Chaque fois, tu es là. Oui. Ça va bon? Ça va. Petit? Oui. Je suis venu. Ah bon? Pourquoi quoi? Comme d'habitude, petit. Toi aussi. Je suis venu pour un morceau de pain, là. Un petit pain, là. Tu sais, mes enfants n'ont pas déjeuné le matin. Je suis quitté comme ça à la maison. Même non. Si on a déjeuné comme ça, jusqu'à présent, on n'a pas déjeuné. Ah, petit! Hé! Hey. Ah, psst! Manangalo Koko Moti Bundu Befola. Je n'ai rien comme ça pour le moment, au nom de Dieu. Je n'ai rien, petit. Pardon, aidez-moi à avoir un morceau du pain. C'est-à-dire le moitié, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut envoyer. Ah, tu sais, là, le prix des. Je connais tout ça là, Mohamed. Et là. Mais d'habitude, quand je prends, je viens directement. Même avant-hier, j'étais. Pour le faire, c'est sûr, monsieur, à l'air là. Hein? Pour le faire, à l'air là, c'est sûr. Non, vraiment, je sais ça, vraiment. Hein? Mais aidez-moi à avoir le morceau du pain pour mes enfants là. Même pour 1000 francs là, c'est bon. Hein? Ok. Mais il faut envoyer sur moi. Hein? Attends. Attendez. Moi, je ne sais pas si je suis malade. Voilà. Ah, mais gagne. Ça, c'est bon. Ah. C'est bon comme ça, net.
Ah, donc, Inch'Allah, okay. Comme mon ami m'a promis de l'argent, okay. Le soir, je viendrai te remettre ça. Ok, merci. Nye? Ok, voilà. Merci, petit. Ok. Hé, hey, Mohamed. Vraiment, il faut que je me souvienne de la Bible. Je vais te dire que je vais te dire que si c'est pas toi, moi je vais pas nourrir ici. Ah, c'est vrai. Okay. Merci, petit. Ok. Mais le monsieur là, chaque jour, je viens ici, vous me crédit, vous me crédit. Ah, le monsieur là. Oh, ça me fatigue ici. Moi, je ne comprends ici. Oh, moi, je ne comprends rien comme ça, le problème de monsieur. Ça que je viens ici, il faut mes crédits, il faut mes crédits. Il faut revendre ton enfant. Hein. Ça va bien? Hey. Hey, Nathan, ça va? Ça va bien? Hey. Je vous ai amené du pain là. Ah, attends! Hey. Ah, hey. Tu vois? Tiens, moi. Hey, tu vois? Des gens comme ça. Hey, faut pas le frapper. Faut pas le frapper. Regarde ce que tu lui fais. Est-ce que ça, c'est bon ça? C'est mon maître qui commence tout. Non, c'est pas mon maître. C'est pas bon. C'est lui. Tiens ça. Tu vois, quand je te parlais, tu vois. Ah, laisse tomber ça. Ah, ça comment laisse tomber problème. Combien d'enfants? Moi, je n'ai même pas gagné. Eh, laissez-moi tomber le problème là. Moi, je vais en tout cas me bouger. Hein. Je vais la chercher. C'est ça, bon. Ça, c'est obligatoire. C'est bon. Fatih, vous venez ici. Non, toi, tu ne veux pas. Allez-y à la maison. Non, mangez. Non, mangez. Allez-y à la maison. Partez. Tire, ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Ça va, merci. Et notre mari? Il vient de sortir. Il est sorti? Il est sorti. Ah, mais tu connais ma situation à l'air là, non? Je connais tout. Même l'autre fois, moi, je l'ai parlé la nuit. Qu'est-ce qui te pousse d'épouser une autre femme? Il me dit, c'est pas ton problème, c'est pas toi qui vas enlever l'argent des boubards comme ça, patati patata. En tout cas, ça, c'est difficile. Je ne comprends même pas. On a combien d'enfants? C'est trop. Mais Siri, il ne faut plus faire d'enfants maintenant. Eh? Hey. Plus faire d'enfants? Ah. Il faut dire, faut même pas passer la nuit avec ton mari. Moi, je ne veux plus faire d'enfant ici maintenant. Moi, je ne comprends pas ton mari alors là. Il n'a pas d'argent et il veut épouser une autre femme encore. Ça, c'est difficile. Très difficile, je te dis. Tellement qu'il n'a pas d'argent, il a deux complats à l'heure là. Le noir et le jaune. Surtout le jaune là. Hey. Il descend avec ça, il monte avec ça. Ah, voilà, tout... voilà. Ça, c'est ce que je voulais entendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais, c'est ce que tu as dit, tu as oublié. Oh, moi, je n'ai rien dit. Non, mais attends. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Le problème de marcher hebdomadaire. Moi, ça me regarde pas. Même si vous parlez le problème de lune, de quoi, ça me regarde pas. Mais que... pourquoi? Attends. Tu sais ce qu'il y a, Aminata? Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Moi, le problème de votre maison, ma bouche n'est pas dedans. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Qu'est-ce que tu as dit? Non, tu peux m'écouter. Ton mari, c'est mon ami. Mon ami, c'est ton mari. Est-ce que tu comprends? Hein? Donc, sa femme, c'est ma femme. Mais le problème de sa maison, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce non, mais non, attends. Siri, attends. Je n'ai attends, rien dit du mal ici. Attends, non. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas toi. C'est Siri qui veut me... Si vous voulez, je vais me marier avec la femme, la fille là, Mbalu. Elle va rentrer ici. Si tu ne veux pas, elle va rentrer ici. Ah ah, votre Kafiri Kadjam Kouma là, ça ne me regarde pas. Non, je ne suis pas Kafiri Kadjam. Non. C'est toi qui es Kafiri Kadjam. Tu es Nafi. Ami, non, attends. Tu es Nafi. Ce que tu vas faire, il faut aller chez toi. Si tu n'es pas Nafi, il faut aller, tu ne peux faut pas rentrer ta bouche dans mes problèmes. C'est toi qui es Nafi. Moi, je ne suis pas Nafi. Tu vas chercher la femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Attendez, elle va. Moi, je vais lui saluer ma copine. Ça ne me regarde pas. Pourquoi il y a une idée de la bonne croix? Ça te regarde?
J'ai bien fait. Aminata, c'est. Ne dis pas, tu as bien fait. Écoute, quel est ma mari? Ton mari. Mori, hé. Ton mari, c'est Ikaï qui est. Il t'a un kilo sur le moussoko maintenant. Il t'a un kilo sur le bas. Je vais la marier. Il t'a un kilo sur le bas. Elle n'est pas bonne à ta mari à l'été. Yo, ma quoi. Yo, ma quoi. Tu t'as pris l'argent. Il faut de bonnes allées à ta mari à l'été. Il n'a pas de bonnes là-bas. Enlève ça sur moi. Tu penses que tu vas quitter cette femme-là? Moi, je vais laver tes habits là. Si je lave que mes deux mains là se paralysent. Si le nadre qui est là, le bon. Tata là. Mais il fait ok, bah. Eh, c'est pas ça, c'est pas le problème de bagarre actuellement. On contacte là. On contacte là. Qui pogne là bas? Monsieur Bagarre, c'est dans la route d'Akundo. Et quand il fait tout ça, il doit. Ah, et qui sont cette fois-ci, elle va rentrer. Ah, m'a le bras l'air d'idée. Merci. Mon ami n'a pas passé ici. Eh, Koreniké. Ami. Oui. Je suis très content de te voir comme ça. Ah bon? Eh. Yannou Kouzi. Yeah. Chef, ça va? C'est mon grand frère. Va, donne-lui une tasse. Ça va bien? Ça va, ça va. Envoie une tasse pour lui. Ah, Koro. Famille Nkoum. Ouais. Amine. Ouais, Koro. Ah. Ça fait longtemps, je ne te vois pas, tu passes pas chez moi. Ah, Koro, vraiment, à vrai dire, depuis mon grand frère a voyagé, vous tous, Koro, on dirait que vous ne me connaissez pas avant. Ça va? C'est très bien. Je voulais te parler, sérieusement, je voulais te voir même. Tu sais que tu es très poli dans ce village. Ah, il faut jamais changer ça. Eh, Koro, moi je vais pas changer, je vais pas changer. Tout le monde t'apprécie. Ah vraiment. Le village quand même m'apprécie de moi, je suis poli. Si tu vois beaucoup de jeunes deviennent fous aujourd'hui, c'est parce que je suis les femmes de moi, les femmes mariées. Eh, Koro, astafurlai. Eh, moi je ne fais pas ça. Jenny, je te conseille parce que tu es un frère, si je te conseille, tu entends et tu acceptes. Ah oui. Pardon. Ouais, d'accord, d'accord. Faut jamais suivre une femme mariée. Koro, Dieu même a interdit ça. Et là, je... Ah, toi-même tu... Koro, même si c'est ma copine, si elle est mariée, c'est fini. Antoine. C'est fini. Tu veux devenir demain une sage, un vieux. Il faut laisser les femmes mariées. Koro, je dis même moi, si la femme est mariée, je n'ose plus d'elle maintenant. Parce que c'est des problèmes. Voilà. Yandi. Ah, hey. Moi je vois les jeunes qui sont devenus fous, vous. Voilà, tel que le cas de mon ami là. Sana, l'ancien camarade. Il est fou. Lui, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, c'est ce que je lui disais. Il a dit mon ami, laisse la femme, les femmes mariées, laisse les femmes mariées. Il m'a pas entendu. Finalement, le mari de la femme, il est parti chez lui, dans son village. À son retour maintenant, mon ami, il a gagné des bagages. Vraiment. Moi-même, je ne savais pas. Il a eu un gros hernie. Akaoloyini. Tu sais que moi, je t'ai dit, faut jamais suivre une femme mariée. Koro, moi, je ne vais pas suivre les femmes mariées. Hey, astaghfirullah. Yandindo, je t'aime trop. Bien. D'accord. Voilà. On y conseille qu'il n'y a pas de dilemme. Allez, le gars, capitaine. Tu m'aimes? Je paye, je paye. Tu sais, tu m'aimes? Eh, hey. Je vais pas oublier ça. Hey. Maintenant, il faut passer chez moi. Bien? D'accord, d'accord. Kaveko, nous sommes madame, là. Moi, je n'ai pas déjeuné. Je suis de passage comme ça. Ah bon? Comme ça. Eh, Gérard! Oui. Viens. Tu veux quoi? Eh, il y a biscuit? Si, il y a là. Ok, envoie un biscuit pour mon grand frère. Mon frère, il n'y a pas de problème. Ah, ça, c'est combien? 500 francs. Ah, ok. Prends ça. Merci. Ok. Je suis très content. Ouais, merci ça. Beaucoup. D'accord. Ah, et consciemment que là, il y a mis une biscuit, mais tu vraiment, vraiment. Pardon. Non, mange, mange. Pardon, je n'ai jamais suivi une femme mariée. Yeah? D'accord, d'accord. Il faut laisser tous les femmes mariées. D'accord, moi je ne vais, je vais, vais pas faire ça. Voilà. Yeah? C'est qui dit à condamner, moi aussi. Ah, qui l'ont. Du prix.
Tu es poli. Vraiment. Il faut continuer sur ça. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Bien. Ouais. Et après, là, je vais passer. Ah ouais, il faut passer. D'accord. Bien. Ok. Et Colophonie. Vraiment. Ah, il était très très d'accord avec mon frère. Mbah. Regarde ta tête. Faut que je traite ta tête là. Il y a trop de poules là-dedans. Voilà. Bientôt ton mariage, toi tu es... Non, Mbalo, toi je te comprends pas. C'est ma copine là qui m'a donné ça. Laquelle? Eh, Fatouma. Maintenant, si je traite ça maintenant, je ne veux pas la voir ici, tu as compris? Oui. Ah. Ça c'est gros. Voilà, maman c'est gros. Hein? Ah. Yeah. Ah. Hey. Et puis il y a tellement de ça. Ça va? Ça va. Ça va. Bonjour, papa. Bonjour. Mal, ça va? Ça va? Ça va. De moi, je voulais te voir avec ta fille. Ah, comme elle est dans mon truc là maintenant. Ah, comme elle est à côté de nous. Non, vraiment, c'est pas autre chose. Tu sais, Mbalu, c'est Kassé qui l'a su en mariage. Il a fait sortir le premier cola et le deuxième cola. Il a fait sortir les deux colas à la fois. Les deux colas là, ça y est avec les charges. Oui. Maintenant là, il se prépare pour amener la troisième cola. Voilà ta fille, voilà toi. Il faut le conseiller. D'accord. Il faut le conseiller. Il y a beaucoup de filles dans ce village-là. Oui. Si tu vois que Kassé a vu tout ça, il n'a pas allé faire sortir le cola derrière et ici. Sauf ma fille-là. Oui. Moi, je crois que ça, c'est beaucoup pour nous. Wallahi. Hein? Wallahi. Donc, tu vois... changer son comportement, je le connais. Mais tu vois, savoir maintenant marcher dans le village, cela est très important. Tout le monde est au courant maintenant que c'est Kassé qui le veut en mariage. Elle est fiancée maintenant. Parce que le premier quoi là, grand frère a amené ça dans le mosquée. Donc tout le monde est au courant. Oui. Hein? Oui. Il n'a qu'à se comporter bien. D'accord. C'est la fille qui va gâter le nom de la famille. Oui, ça c'est naturel. Ça c'est naturel, hein? C'est pas le gageon. Mais c'est la fille. Oui. Donc, il n'a qu'à se comporter bien. D'accord. Tu m'entends? D'accord. C'est ça que je voulais te dire. Je voulais parler ça tout de suite. C'est ça. Je vais la conseiller tout de suite. Je vais la parler ça. Bab. Oui, maman. J'ai entendu ce que ton père a dit. Oui, j'ai entendu. Oui. Viens de ma fille. Faut pas nous faire honneur. Tu sais, nous, chez nous, ici, dès qu'on fait sortir les troisième cola, c'est le mariage maintenant. Je ne crois même pas si tu peux rester maintenant. Tu vas faire maintenant une semaine ici. Une semaine? Je ne crois pas ça. Pas. Parce que dès qu'on envoie les troisième cola, c'est tout de suite, tu vas partir chez ton mari. Tu as compris? Oui, j'ai compris. D'accord. Vous pouvez compter sur moi, maman. Non, je te connais pour ça, ma fille. Vraiment. D'accord. Voilà. C'est toi qui va être notre ambassadeur là-bas, tu as entendu? Ça, c'est vrai. C'est ça, dit. Je compte beaucoup sur toi, ma chérie. Moi, je vais vous laisser ici maintenant. Je vais aller voir. C'est l'outil, quoi. Nous avons une réunion là-bas aujourd'hui. Ah, faut pas durer là-bas. Non, je ne veux pas durer. Parce que tu sais que quand tu sors ici, je vais chez l'outil. Tu vas ailleurs. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs? Non, je te dis qu'il ne faut pas durer. Vous saisissez la parole parce que ma fille est là. Elle a grandi. Bientôt elle aussi, elle va partir. Elle va partir, c'est Jean-Marie. Merci. Ok. Alors, je viens. Alors, faut pas durer, hein. Ma chérie, tu vas me laisser ici. Viens, bientôt. Voilà, maman. La femme, c'est comme ça, hein. Maman, mais tu vas partir là-bas de temps en temps, bien. Oui. Mais c'est pas tous les jours, quoi. Maman. Moi, je vais venir tous les jours. Non, c'est pas comme ça. Si tu es chez ton mari maintenant, c'est pas comme ça, c'est pas de la pagaille. Tous les jours, tu es là. C'est pas ça maintenant. Ça, c'est dur. C'est dur, mais c'est naturel. La femme, c'est comme ça. Tu vois? Je ne vais plus lui prêter mon vélo là maintenant. Il a tout gâté. On change comme ça. Et si moi je bougeais? Pour aller à Bétraï. Hein? Ça allait me déposer au cours de la route là-bas.
La future mariée. C'est comment? Ça va? Ça va, oui. Tu vas bien? Ça va très bien. Ouais. La mine. Dis donc. Tu te fais rare maintenant, hein? Ah. Tu sais, moi, je ne suis plus tranquille dans le village là maintenant. Hein. C'est ce que je vois comme ça. Ça va? Oui, ça va. Hein? C'est quand même. Ah, ils n'ont pas fixé la date d'abord. Ça reste beaucoup. Ça reste pas beaucoup. Peut-être dans la semaine prochaine, je dois partir chez moi. Mais qu'est-ce que tu as mangé comme ça? Du coco. J'ai pris ça avec ma maman le matin. Ah. Et Fanta. Fanta, ça fait longtemps que je ne la vois pas. Hein. Et si tu abandonnes ma copine, eh, tu vas voir. Tu sais, elle et moi, on est trop d'accord. Mais en tout cas, tu sais, dans ces jours-ci, j'ai un travail à Bentouaya. Je vais là-bas comme ça. Chaque jour, il me faut me présenter là-bas le matin. J'ai fait un peu après, je continue mon chemin. La ville. Ouais. Moi, je vais faire des parties. Tu sais, quoi? Je n'aime pas ça. Hein. Quoi? Tu sais, je n'aime pas. Ah, mais toi, tu es futur marié maintenant. toi et moi, on ne peut pas parler beaucoup. Ok, on va voir la ville. Ok. Et ça, les pâtes pour moi. Ouais, merci beaucoup. Il y a quoi entre toi et ma femme? Celle qui va comme ça. Il y a quoi entre vous? Quelle femme? Ma femme, tu la connais pas, Mbal? Ah. Tu la connais pas? Je connais très bien Mbal. Voilà, il y a quoi entre vous? Mais... Dis-moi rapidement, il y a quoi entre vous? Tu parles pas? Mais Mbal, c'est la copine à ma copine. Lamine. C'est la copine à ta copine? Oui. Ah, si je comprends bien. Donc, allez, il a son goudou, il va donner un bout d'acquis de fait, il est pas en braque. Ah, non, c'est ça. Mais... Et puis tu me dis, je casse ta gueule. Est-ce que tu comprends la mine? Hein? Alors, tu te fous de moi, pourquoi? Tu te fous de moi ou quoi? Hein? Mais non, attends. Écoute, toi aussi, tu es grandi avec mon grand frère. Toi, tu ne dois pas. Moi, je m'en fous de ça. Si tu connais ça, il manque un cabinet, mon soco. Toi-même, tu connais ça? Ah, je t'ai dit, c'est pas ma copine, Koro. Ah, toi aussi. Dis-donc, attends. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Je t'ai dit, c'est pas ma copine. Je t'ai dit, non, il faut obligatoire, tu me dis la vérité. Il y a quoi entre toi et ma femme? Ah, je t'ai dit, c'est pas ma copine. Hé! Hey! J'ai bien fait. Ouais. C'est ça. Si maintenant tu blagues avec ma femme, c'est comme ça, j'ai fait. Koro. Non, j'ai bien fait. Tu as tout gâté. Lamine. J'ai dit, tu as tout gâté. Lamine. Tu ne devrais pas faire ça. Lamine, attends. Hey. Pourquoi tu m'as giflé? Hein? Pourquoi tu m'as giflé? Non, pardon. J'ai dit pourquoi tu m'as giflé? Mais j'ai bien fait. Ah, tu as bien fait? Oui. D'accord. J'ai bien fait. Elle là. Lamine. Lamine. J'ai bien fait. Tu vas me tuer. Je t'ai dit, j'ai bien fait. Lamine. Toi, tu n'as même pas honte. Lamine. Toi, tu es grandi avec mon grand frère et puis tu t'arrêtes devant moi comme ça. Lamine. D'accord. Comme je connais maintenant, c'est la foutaise. Je ne vais plus te tolérer maintenant. Lamine, j'ai bien fait. Lamine, je t'ai dit j'ai bien fait. Lamine, j'ai bien fait. Regarde-moi ça, il n'a même pas honte. Dégage s'il te plaît. Dégage. Dégage. D'accord, attends. J'ai dit dégage. Non. Dégage. Dégage. Attends, je vais prendre. Dégage. Prends. Allez vite. Dégage. Salaud qui tu es. Lamine, à moi. J'ai bien fait. À moi. Et toi. Débat vous, hein. C'est pas moi qui l'ai provoqué. Qui t'a provoqué? Arrête-toi. Si tu veux, arrête-toi. C'est fini. N'allez rien à moi. Mais finalement, l'enfant, c'est simple. Moi, c'est avec ton grand frère que j'ai affaire. Voilà. Tu as tout fait, c'est fini. Inch'Allah. Hante, il m'a l'enfant.
Tu me connais pas, hein? Tu crois moi, je suis quoi? Hein? Voilà. Eh, hey, Inch'Allah, tu me... Non, il n'y a pas midi à 14h. Et voilà, là, qui s'y là. C'est fini. Et t'as trouvé le maquin d'amener au quoi? C'est fini. Inch'Allah. Quand je vais chercher à te faire du mal. Ni... Ah, donc... Il est là. Il est là, le tignan. Il est là. Je vais gâter ton bas. Net. Ça, je vais... Oui. Voilà, rien. Qu'est-ce que... Non. Il y a rien maintenant. C'est, j'ai affaire avec le petit, le salopard là, le fessier, le couillon là. Qui c'est, le petit, soi-disant la mine bah, ou quoi là, la mine. La mine. Qu'est-ce qui est rentré entre vous? Voilà. Il croit que moi je suis un petit. Moi je suis. Non, maintenant, je ne suis pas un enfant. Hein, et je suis vieux, mais je ne suis pas. Ma Djodjo Folo, un couloir, hein? A ma Djodjo Folo. Le petit, quand je suis allé, je l'ai vu avec ma femme. Devant moi, j'étais arrêté, je l'ai regardé. Alors, le homme, qu'est-ce qu'il est? Non, quoi, il y a un anima. C'est aujourd'hui. Il est couché là-bas. Où ça? Là! Là, il a dit, là, Mohamed. Non. Je l'ai frappé, il est là-bas. Tu as frappé la mine? Je l'ai frappé. Il m'a fait. Ce que moi je viens de voir là, hein? Tu n'as pas frappé la mine. Comment je ne l'ai pas frappé? Au contraire, c'est la mine qui t'a frappé. Oh! Là, il a la Mohamed Rasoulah. Il y a Makana. Il n'est même pas loin d'ici. La mine! La mine! Viens ici. Attends. Où tu vas? Arrête-toi! Ah. Tout ce que tu as dit ici, moi j'ai tout entendu. Oh, viens! Viens! Si il est homme, il n'a qu'à venir ici. Oh. Tu crois? Moi, j'ai pas peur de lui. Ah, tu n'as pas peur de moi, sorti. J'ai pas peur de lui. La mine, là. On t'a frappé à cause de ta femme, là. J'ai bien fait. Oh. J'ai bien fait. Et tu as on m'a frappé. C'est à toi on a frappé. Ah. C'est pas moi. Ah. Ah. On t'a frappé. Non, dis-moi la vérité. C'est moi qui l'ai frappé. Il faut le chercher partout. Ah, je te dis, il est couché là-bas. Il est couché là-bas. Tu sais ce que tu dois faire? Non. Il faut me chercher des feuilles de papa est là. Ah. Et puis Anna Moussafida. Ah. Et puis le feuille de avocat. Ah. Il y a au frère Bela Denke, il y a au Tibigné, c'est quand on va dire tourner là quoi. Ah mon âme. Non, il n'y a pas quand vous souvenez. Il faut que tu te reposes. Va chez ta femme, moi je le fais pas. Ta meilleure fille là, c'est Nadi. Sire, sire. La paix, je veux la paix. D'accord. Na, si toi tu fais pas, moi je vais chercher. Niko bela dengi nzani ningira usu. C'est ça. Maman, ils ont frappé ton beau aujourd'hui. Quel beau? Mon beau, Cassia. Oui. Pourquoi? Tu sais qu'il est jaloux. Mbalo. Maman, je partais chez Fatima aujourd'hui. J'ai trouvé la mine assise. Je suis venue, j'ai salué la mine. J'ai dit la mine, ça va. Il me dit oui, ça va, la future mariée.
Moi j'ai passé. Gaga, il me suit. Il a laissé jusqu'à ce que j'ai passé. Il est venu attaquer Lamine. Pourquoi tu suis ma femme? Pourquoi tu suis ma femme? Mon beau Kassia, est-ce qu'il n'est pas dérangé? Maman, il est dérangé. Maman, si j'ai entendu ça, je me suis caché quelque part. Il t'a pas vu? Il m'a pas vu. Ah. Et Lamine l'a frappé. Yalla. Il l'a frappé. Mbalo. Jusqu'à ce qu'il a pris, il a pris la fuite. Mbalo, ça te fait rire comme ça, Nye. Eh non, toi tu ne vaux rien. Maman, il fallait être là-bas. Voilà, si tu vois, ton pour courir aujourd'hui avec son gros ventre. Oh, Mbalo, toi, tu ne vaux rien. Il va trouver sa femme là-bas aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire là-bas. Il va mentir qu'il a eu peur. Il va dire là-bas, les bandits l'ont attaqué. Alors, peut-être qu'il va dire quoi là-bas. Non. Comment ça, ça fait rire? Mon cassé est très jaloux. Hé, maman, je ne suis même pas rentrée chez lui d'abord. Ah. Il me suit. Je n'ai pas ça du tout. Et puis, c'est ton fiancé, go, bientôt tu vas rentrer chez lui. Il faut faire beaucoup attention. Hé, hey, qu'est-ce que. Attends-moi, je vais te demander. Il n'y a rien entre toi et Lamine. Maman, je jure, il n'y a rien entre Lamine et moi. Hey. Ah, maman, toi aussi. Lamine sort avec ma copine Fanta. En tout cas, il ne faut pas suivre Lamine. Hey. Moi, je ne vais pas suivre Lamine. Hey. Je souhaite qu'on lui frappe tous les jours comme ça. Je jure. Pourquoi? Tu me suis. Je suis sa femme. C'est ton mari. Ah, maman, il n'est pas encore le mariage. Attends, bientôt le mariage. Oui, c'est ton mari qui l'a doit te suivre partout. Hein? Il a fait sortir les coups là. Hein? Tu es devenue sa femme maintenant. Il doit te suivre. Mais attends. Non, je suis contente aujourd'hui. Tu connais ton papa. Avec son enfant. Oui. Amen. Ça va? Ça va. Ça va bien? Ça va là-bas. Ça va. Fatih. Fatih, ça va? Et ton papa? Il va bien. Oh là, elle parle. Eh, si nous sommes à la maison, elle parle tellement. Je connais ça. Ça va là-bas? Ça va un peu. Et ton mari finit. Il est là-bas. Là-bas. Mais aujourd'hui. Siri, mais aujourd'hui tu es contente de toi, Siri, pourquoi? Je suis contente aujourd'hui. Ah bon? Ton mari est cousin à la maison. Il est frappé. Qui l'a frappé comme ça? C'est Lamine. Et? Il a été frappé avec Lamine. Mais moi j'étais à la maison, je l'attendais. Si t'es homme, viens me toucher. Si t'es homme, viens me trouver ici. Je l'ai touché seulement. Il a crié. C'est Lamine qui a frappé ton mari. Tellement qu'il est frappé. Il est même pas frappé, il est lavé par Lamine. Depuis que Lamine est née, il n'a pas fait du bien comme aujourd'hui. Hey, il est coussé à la maison. Ça, je suis quoi? Disais ce qu'il m'a dit. Non. De lui préparer un médicament qu'il va se laver avec ça. Je lui ai dit, moi. C'est toi qui l'as frappé. Attends. Je dis, c'est à propos de moi qu'on t'a frappé. Il faut aller chez ta femme. C'est mal. Mais aujourd'hui, vraiment, il est frappé. Il est très bien frappé. Je suis contente comme ça. L'autre fois, il voulait me frapper là-bas. Dieu a remboursé pour moi. Hey. Dieu n'en dort pas. C'est ça que je t'ai dit l'autre fois. C'est Dieu qui va juger entre toi et ton mari. Vraiment? C'est Dieu qui va juger entre toi et ton mari. Parce que tout le monde sait ce que tu fais pour ton mari ici. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait pour Kassia. Mais lui, il veut chercher une autre femme. Il n'a pas cherché une autre femme. Moi, je suis dans ma maison. Fatine, on a frappé ton père. Quand tu dis ça devant ton père, Fatine fait comme ça. Allez, moi, je vais m'en aller. Déjà. Merci, merci. Ah ouais. Merci beaucoup. De rien. Fatine, au revoir. Hein? Allez, merci. Merci. Ça c'est très bien. Merci. Ah! Fatih, oh! Fatih, il voulait me frapper là-bas. Hey! Tu as remboursé pour moi.
passade, la vie. C'est toi ça? Mais tu m'as pas vu? Lamine, toi tu peux frapper mon ami Cassia à cause de sa femme. Hey, attends, salue-moi d'abord, après je vais te répondre. Salue-moi d'abord, sinon je te réponds pas. Moi je te salue. Ah, si tu me salues pas, dis-moi, moi je vais continuer. Hé, hey, faut jamais. Hey. Il part. Attends. Faudé. Tu crois que. Faudé. Une femme mariée, comment que tu peux frapper son mari? Pourquoi tu peux frapper Cassia? Mais tu es content aujourd'hui de... Lamine, wallahi. Tu crois que moi je suis comme ça? Hey, konoko, allez kibaroko, koulou nenevi. Moi je n'aime pas ça. Hein. Tu as fini de si tu fais ça maintenant, hey. Tu vas me voir. Il est dans le carton. Hey. Vas-y, il est dans l'opacité. Je te dis une chose. Je te dis, écoute-moi très bien. Ouvre très bien tes oreilles. Ce que moi j'ai fait à Cassia là, ça c'est trop petit. Si toi aussi tu n'as pas confiance, hein? Ah. Si toi aussi tu n'as pas confiance, si je bouge, arrête-toi devant moi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je te dis, si toi aussi tu n'as pas confiance, si je bouge seulement, tu t'arrêtes devant moi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Écoute, mais qu'est-ce que toi tu veux? Maintenant, je vais. Bah, ok, bon, arrête-toi devant moi. Tu ne vas pas. Faudé, laisse-moi passer, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Je te dis de me laisser passer. Tu ne me connais pas, s'il te plaît. Je dis, tu ne passes pas. D'accord. Tu ne passes pas. Je te dis, moi je vais passer. Pourquoi tu as frappé? Au nom de Dieu, moi je vais passer. À cause de sa femme. J'ai bien fait. Je te dis, maintenant j'ai bien fait. Et puis toi, tu n'aimes pas le respect. Ça fait combien de fois moi je te respecte ici? Hein? Toi aussi, tu as grandi avec mon grand frère. Et puis tu me traites comme. Et regarde. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ah. Lève-le là! Faudé. Laisse-moi dire! C'est à cause de mon grand frère qu'il se laisse comme ça. Regarde-moi ça. Imi. Imi la coule la bonnie du fra. Bassa. Où est parti? Eh, Dieu t'a aidé. Si je te vois, je te tue. On va voir. Amabriso, tu crois que tu m'as écambelé? Il m'a embêlé. N'a sambra. Mon chaussure là aussi. C'est grâce à mon chaussure. Tu m'as eu. Malo, qu'est-ce que tu fais là-bas? Les bols là, maman. Tu as vu, fais doucement. Non, les bols, tout ça là, c'est gâté. On va s'enlever ça. En tout cas, ça a même duré. Il faut chercher. Ah, vraiment, sur mon cœur tremble comme ça. Ah bon? Qu'est-ce? Hey. Qu'est-ce qui ne va pas? Cassia est beauté, on dirait un cochon. Bien, hey. À cause de Mbalo. Ah! Ah! À la courroucie, la farfarne, vite. C'est pas elle. Viens de Kagosa. Hier! Je viens de le masser comme ça avant de venir. Hey, viens de Kagosa. Lamine. À cause de Mbalo. Comment ça à cause de moi? Moi aussi là, si. Ah, maman. En tout cas. Mbramousso, il faut conseiller Mbalo. Cassia, Ayakanka, allez là-bas, Kunkolo Guyaro, pour faire rentrer Kunadiarao. Elle fait des bêtises comme ça. Il faut la conseiller, pardon. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais la conseiller. Je vais la parler. Iba Cassia, Faida, à table, tiens. Et Allah a barakat a fankelim be a bebar fingama. Aïe!
elle n'a qu'à se séparer avec Lamine. Mba. Mais attendez d'abord. Comment est-ce que moi j'ai un copain dans le village? Ah, je crois pas. Ah. Ah. Et puis, moi je ne sais même pas qu'on a frappé chose. Cassia. Mon ami n'est même pas frappé. À Kouné, il est lavé. Pourtant, moi, c'est ma première nouvelle, ça. Je ne savais même pas qu'on l'a frappé. Ah, voilà, moi, je ne suis pas lavé. Je ne crois pas que c'est elle sur la mine. Djandi, à lui, Mbalou Lali. Pour la conseiller, pardon. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais la parler quand même. Voilà. Mais je ne crois pas. Ok, Krobana. Parce que moi, je vais au sang comme ça. D'accord. J'étais venu pour ça. Ah, voilà. Il n'est pas malade quand même. Là où il est comme ça, il est lavé. C'est pitoyable. Il est lavé, Vévé. Je vais partir de rendre visite. Ok, emballez le. Ah, merci. Ok. Merci beaucoup. Mbal. Hey. Tu as vu, Venda? C'est pas ce que je t'ai dit hier. Non, moi, je te connais. Tout le village est au courant, Venda. Mais Mbal. Mbal. Moi, je te comprends pas. Comment ça? Tu es contente comme ça parce qu'on a frappé ton mari. Le mari de Siri. Pas mon mari de. Je ne suis pas à l'entrée d'abord, maman. Laisse-moi te demander. Bah. Mais il n'y a rien entre toi et Lamine. Ah, maman, toi aussi. Je jure, il n'y a rien entre Lamine et moi. Rien. Lamine est le copain de ma copine, Fanta. Tu as vu son copain, son ami est venu me parler. Ah, maman, je t'ai dit ça hier. Il est malade comme ça. Là. Et Allah. On l'a tellement frappé hier, maman. J'étais là, arrêté. Non, Mbalou, ça, donc ça te fait rire comme ça? Comment ça fait rire? Hein? D'accord. Quand ton père vient seulement, je vais lui dire ça. Tu as compris? Ça, le préparer. Maman, faut faire rentrer ça là-bas. Allah. C'est pas demain. Ah, c'est demain. Mais si ton mari n'a pas honte. C'est le problème de la femme là qui l'a emporté. Si ton mari n'a pas honte. Tu sais ce qu'il m'a dit, hein? Non, non. De prendre l'argent, comme ça après le mariage qu'il va me rembourser. Je l'ai dit, moi je vais faire ça. Donc c'est toi qui vas faire le mariage. Moi je l'ai répondu, hein? Moi je l'ai dit. Si tu veux que tu fasses ton mariage, si tu ne veux pas, il faut laisser. Et puis, ce n'est pas mon problème, ça m'est complètement égal. Ton mari n'a même pas d'esprit. Il n'a rien, il veut épouser une autre femme. Jusqu'à présent, ces deux complets là, le noir et le jaune là, jusqu'à présent, c'est elle. Il n'a pas acheté un autre complet. Aïda. Et il veut épouser une autre femme. Moi je ne suis pas perdante. Moi, j'ai mes enfants. Et puis, j'ai un mari. Lui aussi, il a sa femme. En tout cas, tu n'es pas perdante. Moi, je ne suis pas perdante. Je ne l'ai même pas regardé. C'est pas un problème parce que le problème de femme là. Siri, ton mari n'a pas d'esprit. Je jure, ton mari n'a pas d'esprit. Il est mentalement dérangé. Parce qu'à l'heure là, là où nous sommes, celui qui va prendre deux femmes à l'heure là, dans ce village. Il n'a rien. Jusqu'à présent, c'est deux complets là. Jaune et noir là. Peut-être qu'elle n'est pas allée.